Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est dommage que vous soyez venu ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre le parent, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Je crois que vous êtes des innocents. En principe, à 7 heures, vous devez être à l'école. Mais maintenant, aujourd'hui, cette gratuité pose des problèmes, n'est-ce pas? Mais maintenant, parce que ça pose des problèmes, il y a un problème dans la société. Est-ce que c'est par la violence, c'est par le désordre qu'on va le résoudre? Nous allons le résoudre dans la paix et dans la sérénité. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne leur paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne leur paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez. Batonga kamboka na maloba ya pamba te, esengeli misala, esalema, emonana, eleka maloba, pe batu basala nini, babetela yo maboko. Nous sentons dans l'esprit du ministre, il y a EPST, absence. Il y a esprit, il y a dialogue et qui a zali plus que prévaloir ma position politique. Bokende koluka na ba école ya gratuité. Ce qui bokomo na moi na ya député, moi na ya ministre, moi na ya mandataire, moi na ya tous ceux qui sont juissaires aujourd'hui autour ya mokonzi ya mboka pe na ba cabinet ministériel. S'il y a des meilleures écoles au Congo, batu ya liboso bazali na ba meilleure école ezali ba catholique. Banani bazali ko manipuler les bango parce que toyoki déjà te basali ko accuser plus ba enseignant catholique. Mama Bibi oyebi nazali moko ya bayi catholique te, mais nous devons avoir du respect du point de vue social. Ya ba effort au église catholique et sala na mboka na biso. Le ministre ya EPST il doit engager un dialogue permanent. Et sengeli ba fongola klima ya dialogue et que eza la paix dialogue est sincère bande konabiso église catholique ba kolakisa l'état tala biso tozalaki na ba enseignant ba bandai kufutama boye makambo ba frais de fonctionnement ezalaki boye bino tang boye na likambo ya gratuité ya enseignement c'est une bonne chose mais vous devez aussi tenir compte na ba condition ya travail oyo ba enseignant bazalaki nango liboso avant que Botia makambo ya gratuité.
Ma mission TV, le miroir du monde. Nous sommes ici parce que depuis les 4, ça fait déjà plus au moins 3 semaines, nous n'étudions pas. Et pourtant, les frais qu'ils ont demandé, nous avons payé. Si la gratuité ne marche pas, vaut mieux qu'on continue à payer les frais. Parce qu'auparavant, on payait les frais d'étudier. La gratuité ne marche pas, vaut mieux laisser. Ça, c'est faire souffrir les gens parce que nous avons déjà payé les frais. Si la gratuité ne marche pas, vaut mieux qu'on reprend comment est-ce qu'on paye avant. Parce que quand on paye, on étudie. La gratuité ne marche pas, vaut mieux qu'on continue à payer les frais comme avant. Thank you.
Comment s'appelle la deuxième institution de notre pays? Le Parlement. Voilà. Qui a répondu? Très bien. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier aussi en même temps pour la convivialité et le calme qui règne parmi nous. Donc, j'espère que nos échanges vont se passer en toute convivialité et nous allons nous mettre d'accord sur bon nombre de choses ici. N'est-ce pas? Oui. C'est dommage que vous soyez venu ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre le parent, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Je crois que vous êtes des innocents. En principe, à 7 heures, vous devez être à l'école. En même temps aussi, je constate que ce qu'ils devaient revendiquer, ce sont vos enseignants plutôt que vous-même. Parce qu'en réalité, vous n'y êtes pour rien. Mais je retiens aussi que c'est de votre droit de revendiquer que vous soyez en classe en train d'étudier. Vous êtes en droit de revendiquer cela.
Mais laissez-moi vous dire que la constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement des bases. Chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. C'est depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir que l'article 43 de notre Constitution du 18 février 2006 a été respecté. Mais cette Constitution existe depuis 2006, n'est-ce pas? Mais il aurait fallu attendre que Félix Tshisekedi accède au pouvoir en 2018, fin 2018, pour que cette disposition constitutionnelle puisse être appliquée. Je ne voudrais pas appeler ça réforme, parce que c'est une exigence constitutionnelle qui a été bafouée par d'autres dirigeants qui ont géré ces pays avant lui. Mais maintenant, aujourd'hui, cette gratuité pose des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, parce que ça pose des problèmes, il y a un problème dans la société. Est-ce que c'est par la violence, c'est par le désordre qu'on va le résoudre? Nous allons le résoudre dans la paix et dans la sérénité. Vous savez, le drame dans notre pays, c'est quoi? C'est parce que moi, j'ai comme impression que l'autre ne m'écoute pas, n'est-ce pas? Depuis qu'on est là, s'il vous plaît, entendons-nous, s'il vous plaît. Le Congo a un seul problème. Je vais vous expliquer le problème du Congo. C'est que moi, j'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. Et vous avez comme l'impression que moi, je ne vous écoute pas. Alors, nous ne nous écoutons pas. C'est ça le vrai problème du Congo. Faisons alors un effort chacun d'écouter l'autre. N'est-ce pas? Parce que moi, je vais commencer par le faire. Je vous ai écouté ici, vous avez besoin d'étudier. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce que on ne leur paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne leur paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse nuancer. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. C'est tout à fait légitime. Alors, mais maintenant, est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez le chemin de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement est notre émanation. Le gouvernement est investi par le Parlement, n'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez? Voilà. Nous avons le pouvoir en tant que Parlement d'interpeller tout membre du gouvernement responsable d'un secteur donné qui ne marche pas. Selon ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs nous avions déjà des informations que dans ce secteur, depuis la rentrée scolaire de cette année, quelque chose ne marche pas. Mais en même temps aussi, je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Votre place est à l'école ou, si vous n'êtes pas à l'école, vous devez être à la maison. Alors, je préfère dire ici que les enseignants qui sont en train de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un salaire décent ont le devoir de les faire eux-mêmes plutôt que d'utiliser des élèves que vous êtes. Vous m'entendez? Alors, je voudrais ici chuter pour vous dire que vous êtes l'avenir de ces pays. Tel que vous êtes là, vous êtes l'avenir de ces pays. Moi-même, en tant que parent, je suis interpellé au plus haut point
de l'engagement et la détermination que vous avez à étudier pour relever les défis, pour nous remplacer demain quand nous serons vieux. C'est tout à fait légitime de votre part. Et en tant que Parlement, nous allons nous saisir à bras le corps ces dossiers. Nous allons devoir faire venir le ministre de l'EPST qui est en charge de votre éducation. Il pourra nous donner des explications et par la suite, on pourra lui faire des recommandations concrètes afin que vous puissiez reprendre les chemins de cours. C'est pas un grand problème, en fait. C'est juste un désaccord entre vos enseignants et l'État congolais qui est leur employeur. Alors, parce que l'État voudrait que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, gratuitement, nous allons devoir amorcer des discussions avec le Parlement, avec le gouvernement, pour que ces derniers puissent mettre tout en œuvre afin que vous repreniez le chemin de l'école. Dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement à travers les ministres de l'EPST pour que cette situation soit décantée. Je vais vous appeler au calme, à la retenue et ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit. Vos enseignants doivent vous dire la vérité, ils sont payés. Mais certes, qu'il y a des petits problèmes, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait légitime, mais ils ne doivent pas vous mêler dans ce débat parce que vous, en tant qu'enfant, votre place n'est pas dans la rue. Notre Constitution ne vous reconnaît pas le droit de marcher dans la rue pour faire des revendications telles que vous les faites parce que vous n'avez pas encore l'âge de les faire. Toute personne qui les ferait est en train d'enfreindre la constitution de notre pays. Donc votre place est à l'école, soit à la maison, pour bénéficier soit l'éducation des parents ou l'éducation en termes d'instruction. Je veux vous demander de retourner chez vous à la maison, avec espoir que votre message nous est parvenu et que dans un plus bref délai, nous allons nous y atteler pour rencontrer vos déshydratats et y trouver de solutions. C'est pourquoi nous voulons étudier pour à l'avenir nous soyons, par exemple, un ministre, député ou autre. Merci. Sur ce que le vice-président de l'Assemblée nationale a dit, M. Jean-Marc Aboundi, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il nous a dit de rentrer à la maison, de ne plus revendiquer par rapport à ce qui concerne l'enseignement, car eux-mêmes ont pris l'engagement de poursuivre cela. Bonjour et bienvenue Kolanda Allo Congo, émission Yaba Pro Congo, Nyonso Balingaka Congo, le Kolanga, Maman Bibi Kapinga. Oyo na lingaka tango nyonso to tombola ensemble na bino République démocratique du Congo po ezali mboka na biso moko otozali na yango to tombola ka yango pardon tango nyonso na ba valeur na yango ba bengaka nga la pro Congo parce que na lingaka Congo na lobaka koleka bato nyonso soki okati makina na nga egangaka Congo Congo po na lingi Congo koleka moto nyonso bozali liboso etando eke bokola na biso lelo na mwana mboka Jean-Louis Masimango oyo azali secrétaire général ya Mpasa na ye tokosolola makambo ezali kotungisa peuple congolais ya liboso ezali makambo ya bana kelasi oyo basali déjà dans le 3 semaines sans pour autant batanga lolenge esengeli ba enseignant bazali bongo kokota mais bazali kopesa courte mokolo ya lelo ndeko Jean-Marc Kabound ayambi bango na ngambo ya Assemblée nationale est solution ekozala bongo trouver question mark bana bazali ko marcher matin midi soir bana bazali ko marcher lelo ba marchaki bakenda ki bongo na ngambo ya Assemblée nationale pona kotombola mongongo na bango pona bana kutu bakomi ko milobela ke ba député tango mosusu bazali ko komisa ezali milelo na bango te sur ce plateau je suis avec maître ndenge na bisaki bino Jean-Louis Masimango na pesi mbote pe boye malamu. Merci beaucoup Mama Bibi. Ezalaka esengo pona ngata ngona zwaka invitation ya koya ko répondre.
na ma mission TV au ezali miroir ya monde par rapport à la qualité ya musala ozali ko sala. Merci beaucoup. Pe ba ndeko ya lingomba politique esika nazali secrétaire général mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine. Oui kambami na maître Dodo Lutombo balobi pe sa maman Bibi Mbote. Merci pe yebisa ye ke musala azali ko sala ezali pona intérêt ya bayimboka et que mutu na mutu esika azali ezala biso bato tozali na kati ya politique ezala bandeko ya société civile ezala ba tunyoso esika okoki koya na pierre ya construction pona kotomba mapoto na pona kotonga mboka na biso esengeli osalango. Donc nous sommes très reconnaissants na musala o zali ko sala mama. Merci beaucoup maître Topesio matondi pe na parti na bino mpasa ndenge bo pesi reconnaissance na bino to bo talisi reconnaissance na bino na musala o ma mission TV ezali ko sala na lombango to kei na ba actualité pas plus tard que quelques heures bana tope ba élève ba uti bongo na ngambo ya Assemblée nationale pona kotombola mongongo na bango ba yamba mibongo na mwana mboka Jean-Marc Abundo azali premier vice-président ya Assemblée nationale nini okoloba par rapport ya onyonso bana ba komi bongo ko sibur tope conséquences ezali kolata déjà bana concernant ba attitude ya ba enseignant. Oui, Mama Bibi, yambo ete na kota na lisolo ya motuna na yo poto solola na peple to ibisa bango ma yezali koleka, tika na rappele biloko mibale. Na leka na itandweke na yo alepoke pona kosala alerte auprès ya ba autorite ya Vila Kinshasa, ke lolenge ya stationnement ya mituko yezali ko uta Angola, yezali ko constituer danger permanent pona pauvre citoyen ya Kinshasa, de façon à ce que même po moutoua kati sa ba grande avenir, on a quatre sa grande direction le lieu commune a passé. Et il n'y a pas deux jours la commune de Kasavubu a été victime. Il y a accident moko ekuta qui na vie ya batu plus de 7 personnes na niveau ya croisement ya Gambela Kasavubu. Na station wana to lembate ko déplorer ko yebisa commissaire provincial général Kasongo pe mwana mboka Jantini Ngobila que le lenge ya bande kuna biswana ko stationner mituka ezali mabe et je crois to mekaki ko benga ba konzi ngomba kisasa qui ont répondu en envoyant secours ya ba policiers pe ba militaire ya pe mais parce que la population en avait marre jusqu'au pont balinga ki même ba tumba jeep sala ki accident wana et que imaginez-vous ce qui ba tumba ka jeep wana liboso ya station ce qu'on allait avoir comme conséquence ya ba dégâts humains pe ba dégâts matériels. Et loko ya mibale bande ko na biso bakumbi mituka que ça soit bande ko ya ba taxi que ça soit bande ko ya ba voiture personnelle ba lobby tolingi police na biso makasi mais sengelo ye bisande ko kasongo est-ce qu'il n'y a pas moyen de la même façon chaque fin d'année ba lobaka ete to koti na période de courtoisie routière na rentrée pe scolaire bakoki ko banda pete ko yebi sabango ke to observer pe courtoisie routière parce que to yebi esengeli ba boti ba préparer rentrée scolaire ya bana melelo ya kokamo ezali nini pende ezali kotungisa peuple tracasserie routière ya ba arrestation illégale et arbitraire de la part ya bande kona biso ba roulage ce qui fait que au delà ya prise en charge ya biso ba parents ko préparer rentrée scolaire ya bana na biso esengeli pe to préparer rentrée scolaire ya ba roulage parce que mbongo na bango ya kosala rentrée scolaire ya bana na bango esengeli euta et pa ya ba victime ya arrestation arbitraire otozali koloba mais en même temps aussi comme bon citoyen tolobi esengeli pe batu batosa lolenge ya kokumba na balabala ko éviter ozala na état ya ivresse ko éviter pe ozala na état ya kanda tango zali liboso ya volana yo voilà un peu mitunami balo na zalai na ngoma entre deux. Alors tokei directement na likambo etali bongo grève ya ba enseignant o ezali bongo ko salema pe ba marche o ezali ko se multiplier ya ba élève Nathalie Sio tout à l'heure te ndeko Kabund wa Kabundo azali premier vice président na Assemblée nationale ye moto ayambi bana mokolo ya lelo. Oui mama Bibi eloko ya liboso na ko rappeler ba imbuka ke lelo nous sommes dans une situation il y a ingouvernabilité scolaire. Ingouvernabilité scolaire est lingi koloba nini. Nous avons plus de 56 zones scolaires, je pense. 56 ou 58. Et que ceux qui ont tamboli le long na Congo,
que ce soit à l'est ou à l'ouest, au centre, au nord et au sud, ba marche, ya grève, na ya ba revendication, ya ba no bazali totalement abandonné sans être enseigné, ezali lelo lisusu ya kolukate. Mais kasi toyebi, l'État a la première responsabilité de former sa jeunesse pour préparer l'avenir. Et que ce qui lelo, jeunesse, tobano esengeli ba bénéficier na enseignement ya qualité ya base, bazali abandonné totalement. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on compromette l'avenir à Banawana au détriment de la lobby à Moka, biso lokola bayi politique responsable, qui aime le pays, nous disons que l'État doit s'assumer. Mais en même temps, ton lobby n'est pas ya ba enseignant. Au-delà de la revendication, il y a condition de vie, na traitement, na bango, o toyebi ezali misérable. Nous savons que esengeli l'État répondre nango. Mais d'autre part, pebata la intérêt y a à venir y a bana wana, parce que eux aussi sont parents y a bana. Kasi nakobanda na conseil et pas mon amboka Tony Mwaba, qui est aussi enseignant d'université. Il faut éviter lorsqu'on devient politique et on assume un poste de responsabilité d'oublier totalement votre passé, surtout comme enseignant. Oyebi ba difficulté y a ba enseignant. Ce qui n'a tiki na no ba enseignant et ba école primaire. Vous savez, Mama Bibi, il n'y a pas longtemps, et je crois jusqu'aujourd'hui, ba professeur y a université, en commençant par l'IPEN ici à Kinshasa, ba zala ki pe na kati y a ba revendication na ba marche, y a koloba ete traitement na bango et zali mabe, et surtout qu'il y a plusieurs docteurs aujourd'hui, professeurs d'université, qui ne sont pas payés, encore moins mécanisés. Malgré que Nalanda qui ministre y a ici, Moïse Nzangi, a lobby que d'ici là, on va mécaniser, commencer à payer, je crois, plus de 300 docteurs, ce qui est une bonne chose. Et Soukaka Kanamalobate, parce qu'il y a un musicien qui avait chanté dans ce pays. Batonga Kambo Kanamalobate, Pambate, et Sengeli Misala, et Salema, et Monana, et les Kamaloba, Pe Batuba Salanini, Babetelayo, Maboko. Kasi le ministre y a EPST. Il doit engager un dialogue permanent. Ezala na koro ya ba enseignant, oto ebezala ka représenté na ba mouvement na bango ya ba syndicalistes, mais nous dénonçons aussi ici il y a certains mouvements ya ba syndicalistes où est comme les l'homme manipulé na ba homme politique. Ba mususu ba si ba sombami na ba maigre billet de banque au détriment ya revendication collective. Donc, il faudrait que le ministre fasse attention. Au lieu de répondre pour satisfaire moi, groupe Mokoboué, yaba enseignant, il doit prendre des mesures qui vont répondre aux besoins globaux ou bien aux besoins globaux, yaba enseignant, nyoso, ya République. Nous savons que dans ce pays, ezalina eloko oyobakuta na mesa, na domaine et enseignement, obabengi akoro ya mbudi. Au-delà ya akoro ya mbudi, tozali na akoro ya bibwa. Oyo esi epesa makambu nyoso oye kuki kusala ete. Enseignant soit aussi fier dans sa peau ya ki enseignant et ki aye bape ko transmettre enseignement ya qualité et pas ya ba élève Mama Bibi. Mais kasi na kozonga na gouvernement de guerriers, parce qu'il s'agit de ce gouvernement là de warriors. Nous, nous étions dans l'attente il y a ba résultat ya malamu bino bokuti akoro ya mbuti bokuti akoro ya bibo parce que batu ebele na yoka kia Mama Bibi tika na fungula parenthèse wana tangu biso to telemeli ram o biso to pesa ki definition nango lokola récompense ya ba animateur ya mégestion balobite makambo ya ram ezalaka déjà bandakala bakuta kilwana na mesa. Voilà aussi une occasion et pas ya ministre Tony Mwaba oyo akuti pe ba akoro ya mbudi ezali ba akoro ya bibo ezali. Pourquoi ne pas exploiter ces accords là oyo kende dans le sens ya bénéfice réellement ya peuple pe ya ba enseignant pour que bana na biso pe ba bénéficier na enseignement ya qualité. Mais bino bokangani kaka na ram oyo biso tolobaki ezali lelo kotungisa ba imboka pe na pesa ki conseil pa mokonzi ya mboka Mama Bibi oyebi ke population surtout ba kinois ba pesa biso fonction to poste ya conseil lointain mokonzi ya mboka.
J'ai dit que à 99%, il y a évaluation, il y a bilan, il y a mokonzi en Bokana. 2023, il risque de ne pas être pardonné dans le Kambo, il y a RAM. Automoni Pelelo, malgré que ça c'est tard, bah comme que ça va publicité tout ça, malgré autant de publicité qui collecte. Aucun Congolais sérieux au jour d'aujourd'hui a qui cause la convaincu dans le Kambo ya ramété parce que vous aviez fait preuve il y a tâtonnement dans la qualification en matière juridique nango, pe modalité ya ko katabiso ba unité ezali ko correspondre na mayebino bozoko bozali ko yebisa biso. Alors lelo na makambo etali ba enseignant to lo ba te ba nani bazali ko manipuler bango parce que toyo ki déjà te bazali ko accuser plus ba enseignant catholique. Mama Bibi, oyebi nazali moko ya bayi catholique te, mais nous devons avoir du respect du point de vue social. Il y a ba effort aux églises catholiques et ça là na mboka na biso. Na kopesa yo kaka exemple moko. Si y a de meilleures écoles au Congo. Batu ya liboso bazali na ba meilleures écoles ezali ba catholiques. Vous verrez plusieurs collèges qu'on a de renommée dans ces pays. Si vous permettez na cité ango ezala na ba Boboto awa, ezala ba Alfajir na niveau ya Bukavu, ezala na ba lycée Wima, ezala ba collège Enano ya Kindu, ezala ba institut Kalumbwa ya Shabunda, na mekina no kutango ya ba intérieur pona kolakisa ete l'église catholique joue un rôle et continuera à jouer un grand rôle na domaine ya enseignement o ezali pe ko contribuer na social ya mboka na biso. Elingi koloba boye tango kokoso ya bras de fer et bandi entre église catholique na l'état oto yebi ke bazali ba partenaire mibale oyo ba bandaka ko travailler ensemble depuis époque coloniale jusqu'aujourd'hui et sengeli ba fongola climat ya dialogue et que ezala pe dialogue sincère bande ko na biso église catholique ba ko la ki sa l'état tala biso tozala ki na ba enseignant ba bandai ko futa ma boye makambo ba frais de fonctionnement ezala ki boye bino tango boye na likambo ya gratuité ya enseignement c'est une bonne chose mais vous devez aussi tenir compte na ba condition ya travail oyo ba enseignant bazala ki nango liboso avant que botia makambo ya gratuité mais quelque part nous sentons dans l'esprit du ministre ya EPST absence il y a esprit, il y a dialogue et qui a zali plus qu'au prévaloir ma position politique. Et j'ai suivi certains camps politiques. Quand l'on était église catholique, ils allaient manipuler parce que balongoli bango biftek na monoko. Oyo babandai ko bénéficier nango. Peut-être aussi ils peuvent avoir raison. Mais lorsque le problème est déjà posé, il est réel. Il faut plus s'accrocher na koluka solution au lieu ya koko banakati ya ba divergence. Au sacrifice, il y a bana obiso tozali kobota. Na landaki un député national. Député azali représentant ya peuple. Alobi atie quiconque a défi. Bokende koluka na ba école ya gratuité. Soki bokomona mwana ya député, mwana ya ministre, mwana ya mandataire, mwana ya tous ceux qui sont jouissaires aujourd'hui autour ya mokonzi ya mboka pe na ba cabinet ministériel. Et je suis tenté, Yakope, ça y est, crédit na eloko alobi pe ezali vrai. Parce que si vous allez dans toutes ces écoles-là, plus kokuta kaka bana ya biso petit peuple. Bana ya babola, oyo biso tolobelaka, mikolo na mikolo. Et que bana ya ba dignitaire sont dans des écoles privées, au lix insolent, et étudient dans de bonnes conditions, au détriment ya formation ya bana oyo mususu. Yango biso tokenda ki plus loin tolobi ete. Est-ce que ezali façon mon côté ya ko sala ete bana o ya biso batoto zana ba moyen te batika la kaka na niveau ya se pour lobi pe bana na bango ba ya lisusu kokonza bana o ya biso alors que dans la constitution les dispositions constitutionnelles sont claires et que esengeli bana nyonso ba bénéficier na égalité de chance na qualité pe ya enseignement o ezali ko ça a été l'élo, ton lobby, Congo pèse à la considérer dans le concert et la nation, dans le domaine, il y a enseignement.
Donc, ezali conseil on a coupé ça et pas yande quoi ezali ko kamba secteur wana. Malgré peu, nous sommes en train de suivre. Ezali na ba mosho et comme il coupait déjà sirier pour qu'il y a qui ne corresponde à expliquer le lien mini ezali ko kamba ministère wana yansi. Maître Nakolanda nyonso wana lelo to moni bongo bana babimi na nzela balobi ba kozela lisusu te bango balingi babanda kotanga. Bana babandi ko marché na ba province pe na kati ya ville ya Kinshasa yo na ngambo na yo tango ozali kotala makambo to monana noté bana babanda ko revendiquer oyo ezali droit na bango kotanga lelo te bazali ko revendiquer est-ce que ekopé sa crédit to pe ezali déjà nzela oyo bato bazali ko luka pona ko bébisa gratuité et enseignement. Maman Bibi, l'injustice conduit toujours au mécontentement. L'injustice conduit à des revendications et à des frustrations. Il est vrai na yoka kamingi na minoko surtout abayi politique. Koloba ete bana lelo bazali manipulé ezali na main noire ezali sima na bango. Sans que je certifie ces propos là. Na lingi na sala un peu moi rappel historique. Nous connaissons parmi les mauvais systèmes au monde des oies, ezali na eloko babenga apartheid en Afrique du Sud. Et qu'à un certain moment, les enfants qui étaient abandonnés, qui étaient marginalisés, surtout banaya biso batu mwindo na Afrique du Sud, oyo apartheid ezala qui peut fonder sur la ségrégation raciale, bayeba ki na koloba ete à un certain moment nous devons nous mettre debout. Yango na yebite yozali mutu ya mayele otanga. Oyebi likambo ya filme ya Sarafina. Oyo tumona lolenge bana wana batelema pe bayaka komettre fin na situation ya apartheid en Afrique du Sud. Elingi koloba, à un certain moment, nous devons dire que ces enfants aussi sont conscients. Moi, nanini wa kondima pendant un mois, alongo akandako, ba parents ba futaka transport, ba parents ba pesaka eloko ya kolia na pause, mais azali ko bénéficier na enseignement te. Mwana moko akondima ngote bana bazui conscience balobi non au lieu d'aller par des actes de vandalisme ko banda ko tumba biloko ainsi de suite allons nous adresser pour déposer notre mémo na représentation ya peuple ce qui est une chose normale. Et nous savons que dans ce pays il n'y a pas longtemps il y a 2-3 jours on a suivi dans le territoire de Manono na niveau ya Kalemie ba élève kokende kotumba ndako ya préfet pe ya inspecteur parce qu'il y avait des revendications babane ko sala ke ba condition ba lekisaki examen d'état nango ezale ba condition a mabe o esali ete ke ba école ya parti wana ya république ba bimi libungu tulu aucune réussite. Est-ce que faut-il continuer dans cette situation là ou bien à un certain moment nous devons nous remettre en cause pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc pour moi, démarche ya bana wana, je viens de féliciter ça parce qu'il n'y a pas eu ni incendie, ni mort d'homme. Différemment na ba revendication ya à l'époque na niveau ya Est, otomona na beni, bana ko dénoncer situation calamiteuse ya abattoir et mieux s'installer na Est. Bazala kape ba victime ya comportement barbare ya ba agent de l'ordre na biso. Mais le lot coup de chapeau na niveau ya parlement, bana wana ba tamboli, bazala ki inquiétete, je crois aussi c'est ça la valeur ajoutée ya état de droit tolingi tozala nango na République. Alors le lot ko loba nini pona bato nyonso bazali déjà ko douter lisusu moke na kati ya pour la gratuité et enseignement na lolenge ya o ezali ko salema mingi bazali ko tuna motuna nini ekobima na mitu ya bana wana oyoyo balekisi déjà un mois to fait 3 semaines passées de quelques jours sans pour autant bakende na kotanga to kozela nini pa ya bana wana. Maman Bibi, nakanisi je ne suis pas le prophète de malheur pour le bien-être à Congo. Mais vous vous souviendrez na le kaka kana itando ike na yo et que oyo lelo tozali ko bika na domaine et enseignement c'était prévisible. Pourquoi na lobi ezali prévisé ezala ki prévisible na le cas awa na loba ke activation et article constitutionnel à gratuité c'était une très bonne chose. Mais problème ezali na niveau ya mécanisme d'accompagnement pour la faisabilité pe ko rendre ango réel ezala ki pris dans la précipitation. Voilà l'impréparation.
il y a des mesures d'accompagnement, il y a gratuité et enseignement, place et Mimi Bisso. J'étais parmi Batuya Liboso. Dans le bas, élève le lot proclamé gratuité enseignement, mais ba infrastructure de base, et lundi, il y a un côté. Pour preuve, il y a des salles de classe où vous trouvez plus de 80 élèves. Qui est cet enseignant qui a bien fait la pédagogie ou à Koki Kozala Amzir? Il y a Kotangisa 80 élèves qui sont des apprenants avec des tâtonnements et qui ont essayé de rendre Bango comme un jour homme idéal pour la nation ou Koka maîtriser Bango. Kokoso déjà les bossus et Zalakiwana. Kokoso et Amibale. Les enseignants, lorsqu'ils ne sont pas bien traités, ils ont un salaire yassé makasi. Alors que Bazali Kolanda chaque jour na bilili, biso ba politicien tozali koswa na kobunda pour na ba traitement koloso. Oyo batu bazali ba bénéficiaire nango. Et qu'à un certain moment, un enseignant s'est dit, comment expliquer nga moutou nazali ko formé batu? Pour ba koma na niveau yo, je peux être traité le dernier et que bango soit dans la réjouissance au lit Saint-Solan nenge na mesana ko benga ngo et que bango bazala abandonné et oublié. Donc, ba mécanisme d'accompagnement et ça là qui défaut maman. Yango moni lelo et comme ici biso na situation. Mais il n'est pas tard pour faire du bien. On peut encore sauver ces projets phares et à président de la République parce que nous savons de toutes les promesses qui ont été faites, de toutes les réalisations, la vision phare symbolique, il y a alternance, il y a pouvoir et à président de la République Fatih Beton. À qui nous restons jusque-là confiants, parce que tu es biqué, axana volonté wana, mais biso tu sais que volonté balana na misala. La volonté reste abstraite, mais par contre, les actions sur terrain sont visibles, palpables et acceptées par tous. Dans mon ayambio directement, on a qu'il y a un gambo et un site qui vous en a moni. 17 corps sans vie, mokolo ya lobby, batalisa ki bisote, ba maïmaï, ba kenda ki lissous na kwa atake, et toke ipe kota la directement, komo na incursion, oe salema ki na ngambo, ki a est ya république, ba soldat rwande, ba kiti na kati ya ma belé na biso, pe to mouni échange entre ambassadeur rwande, na ba soldat na biso, oe a loba ki loko la, porte-parole, il y a FRDC, Nini, Okoki Koye Bissabiso, Nangambonoyan en tant que journaliste politique. Maman Bibi, Moutouna, Yaliboso, O Nazali Komitouna. Pe bande Kouebele, surtout, ya Est, Bazali Komitouna. Soki Olandi Malam, on a connu dans ce pays plusieurs programmes, ya pacification, ya Est, ya République. On a connu dans ce pays plusieurs rencontres en termes, ya Amani Kwetu. Na Est et la République. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation, il y a état de siège plutôt, juste pour la Kosilisa, Botomboki na Est. Mais nous nous posons la question. Comment expliquer le pouvoir d'État où il y a un gouvernement, où il y a une armée de plus de 100 000 hommes, peut toujours se retrouver face à un obstacle ici, la KT, il y a un groupe armé dans l'Est de la République. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser. Nazonga na likambo, il y a bande konabiso, ba mai mai. Biso tango tozali kokola, on nous disait que ba mai mai, ezala ki ba mouvement ya autodéfense contre agression étrangère, contre ba groupe moussousso elingi et ya kotungisa pep. Et je me rappelle à l'époque, il y a guerre imposée par les Rwandais, na trichema ya RCD, il y a eu des groupes maïmaï à l'est du pays qui ont valablement défendu la République, to betela ki bango maboko, jusqu'à ce que Bamisu soulelo bazali na armée congolaise, à l'occurrence na koki kotanga, kulutu na ngai général Padir, na Pessiembote. Ce sont des compatriotes dignes qui ont défendu la République contre les actes barbares qui venaient de l'extérieur. Mais Bamaï Mayo yalelo tozali komituna, c'est quel genre ya Bamaï Mayo? Pendant que toyebi, parmi ba interdit, ya Bamaï Mayo vrai, obiso to yoka à l'époque, ba condition zalaki okiko simba eloko ya mutute, okokiko simba mwasite, okokiko iba tepe koboto la batu biloko te. Mais le loba mai mai otozali na bango, c'est juste un groupe de bandits qui doivent être mis hors état de nuire par le pouvoir en place et surtout l'État congolais.
na zonga sikoyo na likambo ya incursion ya mboka Rwanda na Congo. Oyo lelo Rwanda zali ko considérer Congo lokola passoire parce qu'il n'y a pas de frontières protégées. Mais j'aimerais rappeler à l'opinion, nous sommes Congolais pas par notre vouloir. D'abord, c'est par vouloir en Zambé. Et loko ya mibale, nous savons que l'Afrique a été saucissonnée en 1885 par la volonté des colonisateurs, c'est-à-dire des Occidentaux, les Européens, ont colonisé l'Afrique. Et que la République démocratique du Congo a bénéficié des frontières qui doivent rester dans son entièreté. Et que autour de nous, nous avons 9 pays voisins. Mais la première question que je me pose, moi, comme patriote, défenseur de l'intégrité territoriale, comment expliquer le Rwanda, surtout son régime au pouvoir, parce qu'entre le peuple, il n'y a pas de problème, mais la manigance diabolique, les complots sataniques, dont l'incarnation reste le président rwandais, y compris son ambassadeur en République démocratique du Congo, to yebite ezali komema biso wapi. J'ai fait un petit recul en 2012. La République démocratique du Congo reçoit le président français, je pense que c'était Nicolas Sarkozy. Aloba Boye, pour que l'Afrique centrale soit en paix, nous devons nous dire la vérité en face, et la vérité va permettre de réparer. Et dès qu'on répare, on vivra en paix et l'Afrique centrale va se développer. Mais voilà aujourd'hui aux yeux du monde. Si l'Afrique centrale a un premier danger permanent face à Baïta Moussoussou, cet état-là s'appelle le Rwanda. Maintenant, le Rwanda bénéficie de la faiblesse de la République démocratique du Congo qui ne sait pas s'assumer comme état et qui se limite qu'à faire des discours dans toute son impuissance et à protéger la frontière. Nous avions été à l'avant-plan, Maman Bibi. Il y a qu'à dénoncer Makamboya Minembwe dans les hauts plateaux où il y avait aussi des complots contre la République. Nous avions dénoncé ce qui s'est passé dans la province de Ituri, abattoir humain. Et il n'y a pas longtemps, au Tiko rappelé, plus de 17 corps au Yobakoufi d'une manière inacceptable, sous faiblesse, impuissance, il y a l'État congolais, parce que l'État, la première mission, c'est de protéger ses concitoyens, n'a qu'à protéger l'intégrité territoriale. Maman Bibi, vous aviez suivi le président rwandais Namboka France, devant notre président de la République, dire que le Rwanda n'a jamais été impliqué, ni de près, ni de loin. Conclusion, le président rwandais, son peuple, Bazali, ba frère, ya Congo. Une bonne chose. Nous avions accepté ça comme tel. Mais comme gardien des valeurs et de l'intégrité territoriale, tu alertais déjà à l'époque que le Rwanda qu'on vient d'appeler un pays frère et à la tête son président de la République, Paul Kagame, Batikala Kozala, sincère dans la République démocratique du Congo, ce sont des hypocrites et qui n'ont qu'une seule vision, comment piller nos minéraux. Et nous avions rappelé à l'époque qu'allait interroger l'Est de la République, Kasika, Makobola, qui s'engagne guerre à 6 jours, et vous donnerez raison à nos propos que le Congo et son peuple sont allés victimes du comportement ignoble de Mboka Rwanda. Et aujourd'hui, Makambonyo se bimi na poissa. Les lois n'ont pas tenu sur les côtés de l'Istabalobité, République démocratique du Congo, et les États moko faibles. Maman Bibinga moko nauti koloba ngwa wenya ke des états faibles qui se limitent na ko se plaindre. La paix ne se donne pas, la paix ne s'octroie pas par le sourire et par la soumission. La paix s'arrache. Et na sali ko kanisa tango to zali ko tanga na 6e année. Yo pe na kanisi okutana na sije wana Maman Bibi, même na ba exercice babande ko yebisa biso ke celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais par contre, Parabiso, nous voulons la paix, mais nous sommes dans l'impuissance de répondre aux attaques civiles. Parce qu'ils sont nos frères. Parce qu'ils sont nos frères. Mais je rappelle ici que les États sont régis par la Convention de Vienne. Et la Convention de Vienne est claire.
malgré qu'il y a le principe de bon voisinage, il y a un principe de bon voisinage, il y a un principe de bon voisinage, mais il y a un déjà principe mususu ya réciprocité. Et qu'un État fort, un État puissant, agit par la réciprocité. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il n'est plus question de se cacher. Le Congo est en guerre contre le Rwanda parce que Rwanda a bombé en côté. Comment expliquer? Nous sommes dans une situation d'état de siège. Et personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec le gouverneur militaire de Nord Kivu. On a Senga à l'époque. Heureusement, il y a eu Kelanga, à Koma Kokita Pena Fon, Oliati Kalakana Goma Kokabola Abiloko. Comment expliquer nous sommes dans l'état de siège? À moins de 50 km dans la capitale provinciale, Nord Kivu, qui est des mouvements à va-et-vient, il y a opérations et armées étrangères, où il y a des défis jusqu'au point où il y a des libérés. Baninga na bango bakota illégalement na Congo qui était arrêté et au lieu de se limiter na ko libérer bandeko na bango, ils ont été à la base ya pillage ya plus de 6 villages. Ils ont été à la base ya traumatisme sanitaire ya batu o bazalaki kobela bazalaki na bambeto na hôpital oyo bakomaki kokima dans tous les sens et que bazalaki na mutu ya ko protéger bango te. Donc elingi koloba aujourd'hui la responsabilité du Rwanda dans l'agression de notre pays doit être établie et que cette fois-ci qu'on nous épargne des discours de confraternité, qu'on nous épargne des discours où il y a bon voisinage, qu'on nous épargne des discours d'une politique passive, que nous savons quand est-ce qu'on va répondre, nous savons quand est-ce qu'on va faire ça. Non, le Rwanda n'a pas respecté le pays du président de l'Union africaine. Donc, quelque part, le Rwanda est allé en guerre contre les autres États Union africaine. Merci. Parce que nous savons que l'Union africaine est pilotée par le président de la République démocratique du Congo. Il devrait même avoir ce respect-là, et pas à Moutoua Zali Kokamba Afrique, et qu'aujourd'hui, que ce soit dans le contexte, il y a une organisation sous-régionale. Nous savons que tous allés dans Makambo à Sadek, tous allés dans Makambo à Siergel, tous allés dans Makambo, dans Makambo, dans Makambo, et que toutes ces organisations-là devraient aussi se prononcer, venir en solidarité avec la République démocratique du Congo pour condamner le Rwanda qui est aujourd'hui l'axe du mal et à la base, il y a déstabilisation. Il y a Est et la République démocratique du Merci Congo. Merci beaucoup, Maître Tokéi, la question à Makambo Itali Seni. Likambo Itali, président et à Seni. Aoutaki bongo kozala entériné na ngambo ya Assemblée nationale ezali ko créer débat to pe ezali ko sala débat depuis mikolo mileki te mokolo ya lelo lobi to moni lettre ya mwana mboka Moïse Katumbi oya komeli chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pona kotali saye a signé ordonnance te pona ko reconnaître to pe pona ko placer de ko Deni Kadima na ngambo ya Seni yo na ngambo na yo sali analyse nini. Merci beaucoup, maman Bibi. Azali Kopesa, Kindo, na chef de l'État. To Azali ko benda e matoi pour na likambo Itali. Makele le yoko yoko zala lobi. Maman Bibi, tika na onasil sa rapidement na moi et moi et pas ya ambassadeur ya Rwanda na République démocratique du Congo. A qui j'aimerais dire qu'il doit savoir que le Congo n'est pas un prolongement ya Gisenyi. Encore moins un territoire rwandais. Ou esika ko banda ko crache tous les jours sur le sang des Congolais. Jusqu'au point où à l'obique même communiqué ou taki na armée na biso ezali communiquer à l'okuta, nous devons éviter de nous fonder sur des rumeurs alors que yenda kanisi a yena réalité au moment où toyebi bande kona biso na est bazali kokufa pona mboka na ye yango totuni et pas ya ministre na biso ya affaires étrangères y compris le président de la République et la représentation nationale. Comment jusqu'aujourd'hui nous continuons à laisser quelqu'un qui a été vomi par les autres pays africains à cause de son comportement dangereux na bamboka nyoso à l'éca et que les lots au Congo nous continuons à étaler un tapis rouge en sa faveur. Donc nous devons tirer des mesures qui s'imposent pour que Ndeko Yaba Rwandais ou Azali représentant na bango na Congo, l'ambassadeur puisse plier ses bagages
et rentrer dans son pays ou bien qu'on lui cherche un autre pays. Nazonga rapidement, non, mon conseiller Kalanda Kayo Kakape, Bandeko pe bazali pembeni na je crois bakoko miselae makambo biso tozali koloba et kobosa na te que votre chaîne est plus suivie. Merci. Mutu ako sayote, vous avez une meilleure chaîne ou la na mameme na bakonzia mboka. Merci. Ata baboya kakobenga opona koyebisa me omwe balanda kape bakolanda makambo biso tozoloba. Merci. Nazonga sikona mutuna na yo ya makambo ya seni pe mukanda oyo président ya ensemble akomi. Mama Bibi na kobanda na mituna Thomas Sesemi Bale. Na ebe ozali mutu ya mayele, pe bande ko bazolanda biso bazali batu ya mayele. Ngana yo mama Bibi tozali kovanda lupango moko. Tozali ba voisin au Botiban, nga pe na Botiban. Et il se fait que na proclamation ya résultat na fin année. Mwana na yo abimi premier de la classe. Mwana na nga abimi deuxième ou troisième de la classe. Et que toyebi dans la pratique ya ba parents, ce qui moi na zui na classe c'est ngelo sala nini o sepelisa et to sala la fête mais ya koka mo ezali nini na bon voisinage na biso mibale au lieu na sala fête et pas mwana na ngo ya bimi deuxième na bandina no fête et pas mwana na yo ya bimi premier de la classe est-ce que bato ba komi tuna mituna te ba kende ko vérifier pe bien origine ya mwana na yo ce qui moi singa moko boye ezali te. Yango tozongi na représentation nationale. Oye zali composé na ba député ou ba outi na ba appartenance politique. Et que aujourd'hui nous sommes dans la configuration ya Union Sacrée. Ndeko Kadima azali émanation ya société civile. Mais comment expliquer? Oye bande konabiso ya Union Sacrée. Baba nana no ko sepela na ko se contenter na ba poste oye zali réservé na Union Sacrée. Mais ton nom qui va députer Kosepela, on dirait que va aussi proclamer que va députer ou va voter la population, alors que Kadima Zali Moko, ya battu à Union Sacrée. Motuna et Zali et Sikawana. Jusqu'au point, va députer Moussouso, va ebisa kibiso, ce qui kaka Kadima le qui te koken na guerre civile. Mais battu à Liboso, tout le monde bango na poudre na moutou, na kati assemblée nationale, on dirait que va aussi proclamer bango na examen d'état, auto ebi ba résulté Zali Kobima, Nicole Oy. Voilà Babilo ko ezali ko pesa batu mituna ebele nenge nini lelo nde ko kadima akomi gato ya feti ya batu ya Union Sacrée. Nazonga na mukanda ya ndeko Moïse Katumbi. Nazwaki ta ya kotanga mukanda wana. Nazwaki ta ya ko exploiter mukanda wana. Au-delà ya aspect outi ko invoquer awa ke batu mususu bazali ko kanisa ezali lokola injonction et pas ya mokonzi ya mboka. Mais nakanisi ezali bongote. C'est une lettre qui était claire avec un fond précis. Claire na fond précis na niveau ni. Et loko ali boso asali rappel historique ya contexte ya création ya Union Sacrée. Le président de la République était dans une situation inconfortable na likambo ya coalition FCC-CACH qui était décriée par tout le monde y compris la classe politique. Et qu'il fallait mettre en place un autre mécanisme de gestion. Baye kosa la Union Sacrée. Obiso tout telemela à l'époque Toloba, c'était la construction d'une maison sans fondation. Oyo le lope, je crois bakopé sa biso raison na koloba ngo na makambo na zolo basima ya oyo. Natangi mukanda wana apsima ko rappeler contexte ya création ya Union Sacrée. Alobi mokonzi ya mboka atala likambo le kan et pas de koronsar. Na likambo ezoko malelo. Et puis, à qui plus loin. À l'objet, ce qui te reproche qui FCC cache, Kozanga Boyokani, Kozanga Kosolola. Et je me rappelle encore à l'époque, le président Aïe ya IDPS, y compris mon collègue secrétaire général ya IDPS, parce que Ngaï Nazali na IDPS, c'était Nazali secrétaire général ya parti Moussousou. Voilà pourquoi na l'objet qui c'est un collègue, na niveau ya gestion ya parti politique. À l'objet, à l'époque, que FCC azali na sens ya respect ya considération ya ba alliété. Azali na sens ya respect ya dialogue te pe ko dégager mécanisme consensuel au sein ya FCC cash. Batunyo so à l'époque ton dima yango. Boni boni lelo lisusu ino sacré. Et comme pe génitrice to acte nani nani génitrice principale ya même comportement te décrire ki na kati ya FCC cash. Yango moni na paragraphe na moko alobi. Comment expliquer ba négociation zala ki en cours.
avant même la négociation et comme en Asuka, pour biso to bandaki ko senga poste ya rapporteur, to ye ko situka, to ye bite na bateau magique nini, moko na biso, il est vrai, Moïndo et de l'Assemblée, de l'ensemble de Moïse Katumbi. Mais il ne devrait pas se retrouver là-bas sans qu'au moins famille politique ne soit l'anime. J'ai eu à suivre personnellement le secrétaire général aussi de l'ensemble, qui a été clair et précis dans ses propos. Et Naloba qui peut le colamouï politique. Il y a parti politique qui passe. J'ai trouvé un peu de rationalité dans ses propos parce qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. En politique aussi, on ne vient pas accompagner les autres. Pour que yo bandaka ko sibi, alors que vous êtes dans une même famille politique. Et je crois qu'il n'est pas tard. Ngana lobaki ango lisusu, la dernière décision revient au président de la République. Et je crois qu'il va jouer de toute sa sagesse. Il ne sera pas bon dans ce pays. Qu'on soit dans une situation, il y a un désordre incontrôlé. Ça ne sera pas bien que le pays soit plongé dans le chaos provoqué par les acteurs politiques, alors que nous avons besoin de la cohésion, de l'harmonie sociale et qu'il y ait des actions qui vont dans le sens et à bien-être, y a Baïmboka. Alors, ça ne sera pas normal, maman. Pendant que Tozoé là, Bibonga y a Bokonzia wana kisasa, bande konabiso na est, bazali koukouf. Na utaki kolanda un prêtre catholique ou bien abbé, ou azali koloba pona bande konabiso y a Kasai. Alobi, aujourd'hui, Kasai est en train de se dépeupler à cause de la misère. Oh, le lot exorde rural, et ça, ça le m'a dit de manière incontrôlée. Oh, le batu basaliko, qui m'a Kasai pour aller s'installer au Katanga, à Lubumbashi, et d'autres venir ici à Kinshasa parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à cacher. Vous savez comment le mouvement de déplacement, ça, le manakisata, oh, peut battre nous sous le lot basaliko là, 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 Oyo bakumba kaba moto qui passe nuit na ba station, qui passe nuit na ba matanga. Ce qui n'est pas une bonne chose. Si les conditions étaient bien na kaba province, ezala na Kasa, ezala na ba province Moussousou, on n'allait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Alors comment comprendre? C'est pour vous dire que, au lieu de tout kala na ba guerre inutile à positionnement politique, l'Union sacrée doit d'abord travailler pour l'unité, la cohésion peut correspondre na aspiration il y a souverain primaire au azali na katia. Alors comment comprendre au bandeko mosusu ensemble déjà bazali ko dénoncer na ngambo na bango balobi débauchage et koti na katia ya union sacrée bon ti valeur au botele mela kilobi les lobby de moro bosali ko mela yango pe na soupe penza nyonso na katia ya union sacrée. Maman bibi na kanisi baimboka à 80%. Baloba qui était régime ya mwana mboka sénateur à vie Joseph Kabila. C'est un régime couronné par le vocabulaire suivant. La corruption, l'impunité, le détournement, le débauchage et le dédoublement des partis politiques. Et que le lot na état de droit prôné par le président de la République comme garant à bon fonctionnement de l'institution, comme premier comptable vis-à-vis du peuple, parce que c'est celui qui a fait la campagne sur base d'un programme auquel il doit répondre en 2023. Famille politique et aux alliés qui ont accompagné pour réaliser Maïa la canne à peuple, base à la paix, à la base, il y a le même vocabulaire autodécria qui lobby. Nous ne pouvons que regretter et dénoncer ça na côté le mélango. Débauchage des alliés et l'oko ya malamouté. Parce que tant que Moutou ou Azali censé reconnaître appartenance à Moutou ou Bino Bozui, Ayebi Sibino qu'il n'a jamais été contacté, encore moins mandaté ce monsieur-là, na Esiko ou Bino Botieye. C'est pour vous dire que quelque part il y a un climat de malaise. Alors, et que le lo Oyo, maman Bibi, na koki ko tablette sur ce qui n'est pas venu na epa ya bandeko na biso ensemble. Na landi bato ya ensemble nulle part. Et si ka balobi ke balongwe na kati ya union sacrée. Et lingi koloba ke ezali bitumbo bazali ko bunda na kati. Et na landa kindeko Francis, alobi qui n'ont pas peur de prendre une décision de quitter l'union sacrée. Mais pour le moment, maman Bibi, et sengeli nano boyokani ezonga na kati. Makambo sale maka étape par étape. Il y a un tas de négociations,
il y a un temps de revendication et il y a un temps de prise de décision définitive. Okay. Mais bande konabi soana balobi bazali nan wanate. Mais na sepela ki na eloko moko oyo bande konabi so ya ensemble balobaki ba rejoindre pe makambo biso batu ya mpasa batu ya vision de l'aigle. Oye kamba mina mona mboka maître Dodo Lutombo Isanda toloba déjà à l'époque. Vous ne pouvez pas appeler les gens de se réunir autour de vous sur base d'une vision et qu'il y ait absence des écrits. Okay. Ma commune ne peut permettre que vous ne vous permettez pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Union sacrée n'a aucune charte. Nous sommes à la contractation. Ce qui fait que lorsqu'il y a un problème, un litige qui est né dans le fonctionnement de l'Union sacrée, on ne sait pas s'adresser à quelle autorité hiérarchique il y a l'Union sacrée. À un certain moment, comment on a décoré ce Kabouli à Bengisibat. À un autre moment, de Korabiso Monamoka Baati Lukwebo, à Bengisibat. À un certain moment, Ezaline de Komboso, à Bengisibat. Et finalement, on ne sait plus qui dirige qui, qui dirige quoi et qui fait quoi. Alors que Bandekoana et ensemble ne cesse pas de dire qu'il constitue la deuxième force, il y a l'Union sacrée, et qu'il mérite aussi respect et considération. Alors, Makanisi, à ce niveau-là, inutile de jeter des pierres. Et pas bande konabiso il y a ensemble. Alors, je crois que ce sont des questions qui seront analysées et ma réponse est qu'on va la trouver à l'interne. À l'interne. Alors, Ndeko Fayou Loupé Nangambo a créé bloc de patriotes. Comment vous allez trouver l'ikanisiwana nanzela il y a après ça et à cela qui la population a talisita créé. Ah ok, bon on a créé bloc de patriotes. Yo, moni likanishwana ndengeni. Mama bibi eloko aliboso esengeli toye ba ete liberté ya pensée. Liberté ya création ya ba parti politique. Liberté ya création ya ba mouvement associatif. Ezali rekoni na mibeko ya mboka na biso. Okay. Ndeko Marte Fayulu, comme compatriote, un Congolais, a lobby a lancé appel. Ya ko formé bloc wana na moni eloko ya mabete. Il revient à chaque parti politique, il revient à chaque acteur politique et à la population ya komona. Est-ce que Maye Ndeko Fayulu azali ko senga na kati ya bloc naye, ezali ko correspondre na intérêt supérieur ya nation? Est-ce que ezali ko correspondre na ba projet de société à chaque parti politique? Pe statina règlement ezali ko diriger ba parti politique. S'il y a des gens qui vont estimer que Makanisina ezali ya malamo, ils seront aussi dans la liberté d'aller adhérer ou bien de l'accompagner, de faire le bloc avec lui. Pour nous, d'Impasa, nous ne sommes pas dans ce bloc-là. Nous savons que nous sommes en train de réfléchir et d'ici peu de temps, Maman Bibi, nous viendrons vous dire avec qui nous allons marcher. Pour Impasa, il ne sera pas question d'absorber le parti politique, mais nous allons nous décider sur certaines alliances avec un parti politique qu'on trouvera être réellement dans le sens et à vision et à intérêt à Mboka. Okay, yango na lobaka mama bibizela mwa mukena bakisa mwa mungwa na lobaka ke mpasa est prêt ya ko participer dans tous les chemins oyo ezali ko kende dans le sens et à transformation et à société. Okay. Mais mpasa ne participera jamais en aucun jour dans une messe noire pour que va compromettre l'avenir ya mboka. Maman Bibi, différence et en passe à la parti politique et les alliés à niveau éthique. Maman Bibi, tant que le parti politique est en rame, Maman Bibi, est-ce que vous avez pas cette télé qui rame, Maman Bibi? Vous avez pas cette télé qui va jipe ou à la maître dans la Kanyaka? Jean-Louis Massimango to comme koko mana suka pour na mokolo ya lelo botali site bino bozali kanisi moko na ndeko Martin Fayulu te na bloc o asali de patriotes. Est-ce que ozali komona yango pe na liso déjà ya ko bwa kala muka pour na kotikala na bloc o ye a créé? Bon maman, na koki kozwa ba jugement sur base ya ba présomption te pour sur base ya ba supposition. Je crois mikolo ekoya et que pesa biso raison ou lumière soit batikali na kati ya lamuka, soit batikali na kati ya bloc, soit méga plateforme msusu peko kiko salema ou lamuka koko ya kokota na kati. Mais je crois à ce stade il n'est pas question, mais na kosenga ne makasi e pa ya mokonzi ya mboka.
on ne peut pas comprendre que nous voulons le bien-être du Congo et que sur la question de la CENI aujourd'hui, tous à la division y a niveau haut. Ce qui est au tali mon maman, opposition aujourd'hui peut perdre na batunaye et FCC. Bokabwanezali na likambo ya CENI. Aujourd'hui ba église bokabwanezali na likambo ya CENI. Aujourd'hui ba parti politique et mususu au sein à Union Sacrée lokola ensemble, lokola MLC ya Jean-Pierre Bemba, lokola inani parti ya Vital Kamerhe, oyo kutu bazalaka na coalition ya cash na ebandeli. Bango pe INC bazali ko telemela likambo ya maponami ya baeba ko kamba CENI lolenge isalemelaki. Donc il n'y a quelque part il y a un problème. Mais na kosenga na acteurs politiques nyonso to privilégier davantage intérêt ya baimboka. Batu bazali ko kufa na est. Bana bazali ko tanga te. Ba revendication ya ba médecins et paye. Makambo kili kili na mboka, makambo ya mai, makambo ya biloko komata. Tozali kozela ti lelo makambo ya bampiodi ezali ko komata malgré pe ba ebisi biso ba somba kinde kota ya bisiko esengeli tolo babambisi basombi mbisi te mais esengeli peto ye basoki par exemple bosombi kota ke a partir ya Kinsuka maluku Kinsuka ti maluku tosombi kota ya kolo babambisi esika wana soki pe bolobi mbisi ezali place wana te na kanisi pe kopesa mwa kokoso donc esengeli ba revoir pe mwa muke makambo ya ba akoro esalamaki na Itali makambo ya ba produits surgelés aussi ndio utanamili to komi na suka pona lelo to pesi o merci ndenge ondima ki lisusu pona lelo koya ko répondre na ba question na biso nyonso pe o ezali ko tungisa ba imboka mais soki o tali union sacré na nini o monite ba ye li peuple eloko ya sika nini penzo o moni na union sacré o ezali ya malamu te na kati ya FCC caché za lankite. Mama Bibi, eloko ya liboso na koloba na Union Sacrée zali esengeli ba éviter na ko tomber na ba même erreur. Oto bandaki ko reprocher na FCC cash. Deuxième chose, ba landa conseil oyo ya langa nzembo ayemba na lobaki na ebandeli, ba tonga kamboka na maloba ya pamba te. To sala misala, bo sala misala pe peuple agije. Toti ka ko sala politique ya spectacle. Politique ya promesse, politique ya kolaka ke lobby e kozala meilleur ke lelo, pendant que toyebi tozali ko travailler te pona lelo échanger. Voilà oyonga na koki ko senga epa bande ko na biso ya Union Sacrée et que totika division. Le départ aujourd'hui de l'ensemble au sein Union Sacrée ezali ya ko souhaiter te. Pona zali ko yoka plusieurs politiciens par orgueil politique. Sans mesurer les conséquences, ata soki ensemble ekei, ata soki basali boy. Est-ce que l'Union Sacrée va résister ou bien exister soki ensemble ekei, INC ekei, nani MLC ekei et les autres aussi bakei. C'est pour vous dire que la politique d'orgueil et pas ya camp politique songolo au sein de l'Union Sacrée et singeli ici là. Et que na lombango les dirigeants ya Union Sacrée ba mekempe kutia makambo na mesa en terme ya texte ya charte e kuyeba kutambwisa Union Sacrée pona kuevite ba bavir otozali ko observer le lo et que en 2023 le peuple nous départage et que le Congo gagne dans tout ce que nous faisons na sepeli makasi na ki korepondre na emission na yo. J'ai bien bossé makambo ya est ya république koyibisa ba imboka que le danger permanent pour le Congo reste le Rwanda mais le Rwanda profite aussi de la faiblesse du Congo na organisation na système de défense nango au Rwanda zali ko considérer le lo Congo le kola passoire frontière non protégée et que même ambassadeur rwandais wazali na kisasa je ne vois pas un autre ambassadeur africain à Kigali tenir des propos pareils sans être expulsé. Merci. Donc quelque part les singuliers autorités na biso ba s'assimer et que ba revendication ya ba élèves, ba revendication ya ba enseignants, ministre Tony Mwamba ameka kufongola esprit ya dialogue. Merci. Tout en sachant que pendant que RAM ezali konyokola biso, ezali pe na mibeko oyo ba sala kala pona kubongisa enseignement en se basant sur accord ya Mbudi
na koro ya bibwa oye koki kosunga pe ba enseignants na biso ba retrouver sourire pour le bien-être du Congo. Je vous remercie. Merci na balandinyon so ya pro Congo mag to pesibino merci bandeko ya allo Congo to pesibino merci bozala ki ebele kolanda biso de partout to yamba ki pona bino maître Jean-Louis Massimango azali secrétaire général ya parti mpasa na ye to sololi maenyon so bolandi pona likambo etali bongo kelasi ya bana pona likambo etali bongo est ya République pour la likambo etali bongo makele le tope nungu nungu ezali koleka na makambo etali seni biso ma mission TV tolobaka ko informer bino ezali mission na biso tozali liso na bino esika information ezali lito imakolo ko kita en temps réel to sala ka yango bobo mesano to ko continuer ko sala yango parce que yango nde ezali objectif principal ya mosala otozali ko sala. Merci na bande ko nyonso bazala ki wana ko assister pote boyamba émission oyo lolenge boyambeli yango son ya kitoko image ya kitoko nyonso ya kitoko. Et merci à Vodzingi Tuka, merci à Olivier, merci à Bams, pourquoi pas à Wera. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités, mais sinon, gardez votre fidélité à cette belle chaîne, vous ne serez jamais déçus. À la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.